Nasser, au moment où ton livre Développer les services publics, un combat d'avant-garde vient de sortir, la question des services publics est au cœur de l'actualité sanitaire et économique. Quelle est ton analyse sur cette question au regard de cette crise? Donc, je pense que cette crise montre vraiment très bien l'enjeu des services publics, pas seulement pour le présent, mais aussi et surtout pour l'avenir. La première chose. Et la deuxième chose, cette crise montre à quel point le libéralisme économique est néfaste pour les citoyens et pour l'ensemble de l'économie. Et donc, troisième chose, c'est que vraiment, on ne peut pas continuer comme avant. Donc, il faut changer les choses. Donc, je pense que c'est vraiment le message principal qu'on peut, disons, l'enseignement principal qu'on peut tirer de cette crise. Pourquoi? Parce que, effectivement, ce qu'on constate, c'est que si, par exemple, il n'y avait pas ces politiques libérales d'économie budgétaire, donc si, par exemple, il n'avait pas supprimé tant de services hospitaliers, tant de lits, ainsi de suite, des milliers de vies auraient été sauvées. Et qui? Qu'est-ce qui est plus précieux que la vie des êtres humains? Voilà. Donc, je pense qu'on voit très bien à quel point vraiment les politiques libérales sont néfastes. Donc, il faut rompre avec ces politiques libérales si on veut améliorer la situation sociale, si on veut sauver les vies. Donc, je pense que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, cette crise montre à quel point, en même temps, même si les services publics sont affaiblis, à quel point ils sont utiles pour la société. Et donc, imaginez que si on n'avait pas ces services publics, si par exemple il n'y avait pas ces hôpitaux publics, il y aurait beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus de souffrances pour les populations. Donc, si on fait par exemple la comparaison de ce point de vue entre la France et les États-Unis, la chose est très claire, c'est qu'on voit effectivement que les principales victimes de cette crise aux États-Unis, c'est les pauvres, alors que ici, heureusement, en dépit de l'affaiblissement donc ces services à cause des politiques libérales, on ne demande pas aux gens quels sont leurs moyens financiers. On soigne les gens en fonction des besoins qu'ils ont. Et puis le troisième point, c'est effectivement que qu'est-ce qui a expliqué, ce qui explique ces économies budgétaires et cette logique libérale, c'est que ce qui doit guider, devrait guider selon les libéraux, l'activité économique, c'est finalement le profit. C'est la rentabilité financière. Et donc, ça, c'est bien sûr la logique qui domine le secteur privé, mais malheureusement, sous la pression, effectivement, de l'idéologie libérale, ça a été de plus en plus le cas dans le secteur public au sens large, y compris les entreprises publiques, et donc dans les services publics. Et ce qu'on voit avec ces crises, c'est qu'il faut rompre aussi avec cette logique, c'est-à-dire que la finalité de l'activité économique ne peut pas être la rentabilité du capital. Non, la finalité de l'activité économique doit être d'abord la réponse aux besoins de la société. Et ces besoins ne sont pas seulement les besoins immédiats. Il s'agit aussi des besoins futurs. Et c'est là qu'il y a un autre aspect qui explique, à mon avis, aussi de façon très, très claire et manifeste le besoin de rompre avec ce qui s'est passé jusqu'ici, et donc d'établir à nouveau une nouvelle société, c'est la crise écologique. C'est qu'effectivement, avant cette crise sanitaire, nous avons effectivement, tout le monde parlait du réchauffement climatique et tout ça, et ce réchauffement climatique aura aussi des conséquences graves sur la santé publique. C'est-à-dire que les crises, par exemple sanitaires, pourraient se reproduire à l'avenir. Et donc, si on ajoute à la crise écologique, on voit la crise sanitaire. Et puis peut-être un troisième aspect, c'est qu'avant cette crise sanitaire, pratiquement tous les économistes et toutes les institutions internationales, nationales, économiques, parlaient d'une nouvelle crise financière suite à tout ce qui s'est passé depuis la crise de 2008. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système qui a dominé l'économie mondiale, y compris donc en France depuis plusieurs décennies, ce système libéral, provoque des crises en permanence. Et donc, on ne peut pas, dans l'optique des travailleurs, on ne peut pas continuer comme par le passé. Pourquoi? Parce que ces politiques-là conduisent à une hausse des inégalités.
Donc, on le voit. Donc, si on regarde un peu l'évolution de l'économie mondiale depuis 3-4 décennies, on voit que les richesses que les travailleurs produisent sont de plus en plus accaparées et par les plus riches, les 1% et les 10%, donc notamment de la population. Donc, la crise sanitaire, la crise écologique, la permanence et la récurrence des crises économiques et donc la hausse des inégalités nous oblige donc de sortir de cette société où domine l'argent. Et donc, lorsqu'on dit la domination de l'argent, ça veut dire l'exclusion des plus démunis. Et vous allez avoir accès à des biens et des services selon vos capacités financières. Si vous avez des moyens, donc vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas le faire. Disons, je prends l'exemple des États-Unis parce que là, on voit très bien, de façon très claire, cette domination donc, de l'argent. Donc, l'objectif serait quoi alors? L'enjeu pour l'humanité, à mon avis, c'est de sortir de ce schéma et donc d'établir une nouvelle civilisation fondée sur la solidarité et le partage. Et c'est là qu'on voit l'importance et l'enjeu des services publics. Pourquoi? Parce que la logique des services publics, c'est quoi? La logique des services publics, c'est on répond aux besoins, non en fonction de la capacité financière des individus, mais en fonction des vrais besoins des gens, des individus. Bon, donc, par exemple, si on prend toujours le cas de la santé, lorsque, par exemple, on est en France, et vous avez votre carte vitale, vous allez à l'hôpital, vous avez besoin des soins de santé. Il suffit d'avoir votre carte vitale. On ne vous demande pas quel est votre salaire, parce que vous avez déjà cotisé, les autres aussi, et donc on est dans un système social. Or, il s'agit donc de développer ça dans d'autres domaines. Bon, j'ai beaucoup cité l'exemple de la santé, mais avec le confinement et avec ces crises, et avec le déconfinement notamment, on a vu qu'on a les mêmes défaillances dans l'école. Donc, il y a beaucoup de problèmes à l'école, il y a beaucoup d'insuffisances à l'école, mais on a vu aussi avec ces crises qu'il y avait aussi beaucoup de besoins dans le domaine de communication. Par exemple, il fallait faire de l'enseignement, disons, télé-enseignement, mais dans beaucoup de territoires, il n'y a pas les moyens, disons, les infrastructures de communication ne sont pas suffisantes. Donc, les élèves ne peuvent pas suivre leurs études parce que, par exemple, l'Internet n'est pas suffisamment fort pour avoir accès à ça. Mais à cela s'ajoute un autre fait majeur, c'est que c'est le fait social, c'est-à-dire que nous avons des familles, et ça, malheureusement, le nombre est très, très important, où on n'a pas même le moyen, on n'a pas même l'ordinateur pour se brancher et pour avoir justement accès à ce télé-enseignement. Donc, il y a ces lacunes-là qu'on voit aussi. Mais comment répondre à ces besoins croissants de services publics dans la période? Il y a à la fois la question de l'immédiat, mais aussi la question de long terme. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas dire on va répondre à l'immédiat au détriment de l'avenir, ce qu'on a déjà fait jusqu'ici, ou bien on dit on oublie le présent et on intègre seulement le futur. Non, il y a une sorte de dialectique à établir entre le présent et le futur. Donc, ce qui est important, je pense que là, c'est un élément peut-être vraiment important qu'il faut intégrer dans la réflexion, c'est quand même cette nouvelle révolution technologique qui, effectivement, par essence, facilite de façon potentielle cette tâche d'établir une nouvelle civilisation fondée sur le partage et la solidarité. Bon. Quels sont les problèmes dans l'immédiat? On le voit, c'est l'insuffisance des moyens dont disposent les services publics, mais c'est aussi la reconnaissance de l'utilité sociale du travail accompli. Et ça ne concerne pas uniquement les services publics. D'une manière générale, cette crise vraiment a mis en évidence cette réalité que le travail humain doit être rémunéré et reconnu en fonction de son utilité sociale. Bon. Et donc, à ce moment-là, la première vraiment question, à mon avis, c'est comment on va reconnaître la valeur sociale du travail accompli aujourd'hui. Et ça, la réponse à cette question prépare aussi notre avenir.
Alors, cette reconnaissance sociale, elle devrait se traduire comment? À mon avis, question immédiate, c'est comment on augmente, parce que la rémunération, disons, la reconnaissance sociale du travail, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas j'aime les gens. Non, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, ça veut dire qu'il faut augmenter les salaires et les rémunérations des gens qui font du travail utile pour la société. Même avant la crise sanitaire, on voyait qu'il y avait une forte demande, par exemple dans le secteur de santé, pour augmenter justement les rémunérations et améliorer les conditions de travail du personnel hospitalier. Mais on voit aujourd'hui que cette problématique s'impose à, par exemple, les gens qui font de l'entretien, les éboueurs, et ainsi de suite. Mais aussi les enseignants, mais aussi les chercheurs. On voit aujourd'hui, avec cette crise, à quel point il est important de promouvoir la recherche fondamentale. Et promouvoir la recherche fondamentale, c'est aussi comment reconnaître justement le statut et valoriser le statut des chercheurs, et donc y compris améliorer les rémunérations dans ce secteur-là. Donc, une première nécessité, à mon avis, c'est effectivement reconnaître de façon concrète, c'est-à-dire par la rémunération et par les conditions de travail, l'utilité sociale du travail accompli. Et bien sûr, un premier enjeu tout de suite dans l'immédiat, c'est augmenter le SMIC. Parce que le SMIC, c'est le point de départ un peu de cette reconnaissance concrète, donc de la rémunération du travail accompli. Et en ce qui concerne la fonction publique, c'est évidemment mettre fin au gel de l'indice qui effectivement entraîne effectivement de façon très très concrète la perte du pouvoir d'achat sur le long terme pour les fonctionnaires et les gens qui travaillent dans la fonction publique. Donc ça, c'est un premier, à mon avis, enjeu immédiat, fondamental. Mais un deuxième enjeu tout de suite, c'est comment on va développer effectivement les services publics. Comment on va augmenter les moyens au-delà de tout ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération des travailleurs dans ce secteur. Comment on augmente les moyens dans ce secteur. Par exemple, comment on va augmenter, comment on va, le nombre d'hôpitaux, les écoles, le nombre de classes, et comment on va par exemple, recruter des enseignants, des personnels de santé, et ainsi de suite. Donc, deuxième enjeu, comment on va à la fois augmenter les moyens humains dans ces secteurs, et en même temps, comment on va développer les moyens matériels, pour ainsi dire, dans ces secteurs. Ce sont, je pense, le troisième enjeu, parce qu'on le voit aussi, c'est la question de comment on améliore le cadre de vie. Parce que l'un des problèmes que ce confinement a mis en évidence, c'est la difficulté de la vie des gens dans les cités, par exemple, dans les petits appartements, par exemple, y compris à Paris. Donc là, comment on améliore le cadre de vie pour ces millions de nos concitoyens. Et là, effectivement, ce sont des investissements très forts qu'on peut réaliser et que la puissance publique pourrait réaliser ou faciliter la réalisation de ces investissements. Et quatrième élément, toujours dans l'immédiat, c'est comment on améliore les infrastructures de façon générale et surtout les infrastructures de communication pour effectivement améliorer la situation. Et tout ça, dans un contexte où il faut effectivement penser à la transition écologique. Autrement dit, et c'est là qu'on voit le lien entre l'immédiat et le futur. On ne peut pas dire, voilà, aujourd'hui, on fait ça, la transition écologique, on fera ça plus tard. Non, non, il faut faire tout ça en même temps. Alors justement, comment arrive-t-on à cette transition? Mais c'est là que se posent, de façon très très concrète, les moyens dont on dispose justement pour réaliser ces projets. Je pense qu'il est absolument nécessaire, dans la mesure où quand même l'État doit jouer un rôle, l'État, la puissance publique, au sens large, donc l'État central, les collectivités territoriales, et ainsi de suite. Dans la mesure où la puissance publique doit jouer un rôle important dans cette transition, on va dire, il est important effectivement de s'interroger sur la politique économique et d'interroger la politique économique. En ce qui concerne par exemple le budget de l'État, ça c'est pas un mystère. Donc il y a
un enjeu important de la fiscalité. Je pense qu'il y a des camarades beaucoup plus compétents que moi qui pourraient en parler, mais je pense effectivement qu'il ne faut pas le nier. Si on veut financer les services publics universels, il faut effectivement revoir notre système fiscal, le rendre plus juste et le rendre plus efficace du point de vue économique. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il y a aussi un enjeu de comment on améliore donc, la dimension sociale dans la fiscalité, par exemple, tout le débat sur la TVA, ainsi de suite. Mais je pense que ce n'est pas seulement les recettes, c'est aussi les dépenses. C'est aussi les dépenses de l'État. Parce que la façon dont on est, parce que les dépenses de l'État, c'est soit l'argent des contribuables, c'est-à-dire les impôts, soit c'est les emprunts, c'est la dette. Bon. Et si, et par exemple, les dépenses sont bien utilisées, à ce moment-là, les retombées à la fois économiques et sociales seront positives. Je prends un exemple parce que je parlais de la puissance publique au sens large. On sait que chaque année, des dizaines de milliards d'euros sont accordés aux entreprises, soit direct, disons, soit sous forme de l'aide, soit sous forme d'exonération et donc d'exemption et ainsi de suite, de cotisation, d'impôts et ainsi de suite. Donc finalement, ces exonérations, ces aides aux entreprises, bon, à la CGT, on parle de 200 milliards et les rapports officiels, les derniers rapports officiels parlaient de 160 et ainsi de suite. De toute manière, la somme est énorme. Bon. Lorsqu'on regarde le résultat, parce que ça fait des années, ça fait à peu près 3 décennies que ces aides sont accordées et qui ont augmenté de façon progressive et au nom de l'emploi et d'investissement. Mais lorsqu'on regarde le résultat, notamment en termes d'emploi, on constate que le compte n'y est pas. Autrement dit, on peut dire que ces aides-là n'ont pas été utilisées de façon efficace. Ou ces dépenses n'ont pas été utilisées de façon efficace. Voilà, donc on peut revoir aussi les dépenses de l'État. Ce n'est pas seulement les impôts qu'il faut augmenter dans telle ou telle proportion. C'est aussi comment on améliore la façon dont utilise l'argent des contribuables, autrement dit, comment on va revoir les dépenses publiques. Et c'est là un enjeu important, c'est comment, sur quelle base on va évaluer, effectivement, il ne faut pas avoir peur du mot, les politiques publiques. C'est comment, avec les citoyens, avec les intéressés, les principaux intéressés, on définit les critères à partir desquels il faut utiliser l'argent des contribuables, et avec les citoyens, on va évaluer comment cet argent a été utilisé. Donc, je pense que c'est là un enjeu démocratique vraiment important, c'est à la fois dans l'immédiat et à l'avenir. C'est que le développement des services publics, c'est un enjeu d'avenir. C'est-à-dire vraiment, je pense que d'ailleurs, j'ai fait un bouquin, le titre c'est « Développer les services publics », un combat d'avant-garde. Parce que parfois, y compris chez les syndicalistes, on a l'impression qu'on défend les services publics, mais de façon défensive. Alors que je pense que non. Si on veut développer les services publics, on est avant-garde. On ne défend pas ses précarés, on ne défend pas ses intérêts catégoriels. Non. Le développement des services publics, c'est vraiment une bataille pour l'avenir de notre société. Et bien sûr, on parle ici de la France, mais je pense que cette problématique s'impose dans le reste du monde aussi. Tous confrontés au même problème, pour ainsi dire. Et donc, nous devons aussi avoir cette approche de solidarité internationale. Donc, cette crise le montre très bien. Par exemple, j'ai échangé avec mon épouse avant-hier, je disais vraiment, il est extrêmement étonnant de voir que cette crise oblige pratiquement tout le monde à travers le monde de respecter les mêmes règles. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est devant des problèmes auxquels on doit penser de façon collective. Et donc, je pense que la solution à ce problème, c'est vraiment la solidarité. Donc, pour vraiment finir là, parce que le message peut être très, très important, donc l'idée, c'est en même temps que
sous-développement de services publics, sous-développement de concepts de solidarité et de partage, nécessite effectivement qu'on sorte de ces frontières nationales et donc qu'on intègre cette réalité qu'en même temps, nous devons travailler à la résolution des problèmes des autres peuples.